Nicolas Promcy, fondateur de Picardit, Nogentais, et scolarisé au lycée André Malraux de Montaterre. Rémi, donc 19 ans, je suis lycéen au lycée Édouard Branly à Amiens, en BTS système électronique. Donc je suis le cofondateur et le technicien de la radio. Damien Levasseur, 16 ans. Alors je suis apprenti pâtissier, donc à Chantilly, et mon école elle se trouve au CFA de Compiègne. Je suis cofondateur de la web radio Picardit. C'est une idée qui nous est venue à tous les trois. Nous, on cherchait un moyen de toucher les jeunes. Les émissions locales, parce que c'est avant tout une radio en Picardie. Et puis des émissions pour s'amuser aussi, des émissions de divertissement avec des canulars. Quand est-ce que tu travailles, Thomas ? Pas demain, mais mercredi, même heure. Alors, nos projets pour 2014, c'est d'abord la mise en place du dispositif Apprendre la radio en Picardie. Donc c'est une petite formation. Les clubs, les lycées peuvent s'inscrire, alors bien sûr c'est une formation payante, pour apprendre à un petit groupe de jeunes à faire de la radio. Multiplier les délocalisations. Quand on prend le studio et on fait non, aujourd'hui je ne ferai pas une émission à la radio, je vais la faire ailleurs. On est au Château des Rochers, au Forum de la Jeunesse. J'ai fait un stage chez Coé. Et c'était un truc énorme qui a fait que confirmer ce que je pensais. Plus tard, je vais être animateur radio. Il y a Flora qui est en train de galérer, mais c'est monumental. C'est un kiff de me réveiller le matin et de me dire que tous les week-ends, je vais venir ici dans ce local qui est super sympa et puis faire des émissions avec mes amis et les auditeurs.